l'hivern mai deu un sorrisos e crepo. Chi cerca in un mio petto l'ardente tidellina. E l'hivern mai deu chioma luminosa di una stella scosa cascata in la mattina. E chi libera l'incontro di mia vita. On l'appelait le divin chauve. Il symbolisait à lui tout seul la réussite du Sporting et les Corses étaient fiers de ce footballeur de talent que tout le monde leur enviait. Né en 1949 à Portivêtchio, marié et père de deux fillettes, Claude Papi était un meneur de jeu exceptionnel. Créateur, régulateur, buteur, moteur et fer de lance des fameux Lions de Furiani, Claude Papi était aussi un gentleman sur le terrain et dans la vie. Celui que je préfère le plus, c'est Claude, parce que je l'ai vu naître. Papi, je l'ai vu naître. Il est né à Porto Vecchio, j'habite au troisième étage, lui au second, alors, vous vous rendez compte. Papi, c'est un modèle de modestie, c'est-à-dire, je crois qu'on peut... Il est dans la lignée des grands. Moi, je le connais personnellement, il est très gentil, il est souriant, il est simple, il est modeste. C'est un joueur issu du club qui a su progresser au contact de grands joueurs qui sont venus jouer à Bastia. Et si vous voulez, il en a tiré la quintessence, c'est un petit peu sa force. Je pense que c'est vraiment la plaque tournante de l'équipe. Enfant chéri du public de Furiani et des sportifs corses, Claude Papi il était pour bien des raisons. Mais en plus de ses qualités sportives et humaines, il était le symbole de la fidélité. Fidélité à son club, mais aussi à son pays et à son peuple. 15 années durant, il a su résister au chant des riches sirènes nantaises, suisses et même américaines. Exactement 11 ans que je fais partie du Sporting. Je viens de re-signer 3 ans à Bastia et je crois que je finirai la carrière à Bastia. Il y a quelques années, est-ce que vous auriez aimé aller ailleurs? Oui, je serais peut-être parti si j'avais eu peut-être des propositions aussi, mais je crois qu'à condition égale, il n'y a pas de problème, je reste à Bastia. Arrivé au Sporting en 1967, après avoir fait ses classes à l'AS Portivêtchio, Claude Papi devient en 1973 le meneur de jeu du SECB. Cette même année, il obtient sa première sélection en équipe de France, placée alors sous les ordres de Stéphane Kovacs. Sélectionné à 2 autres reprises par Michel Hidalgo, Claude Papi n'a pourtant pas eu la carrière internationale qu'il méritait. S'il était souvent l'homme de la dernière passe, le Portovéquier n'en demeurait pas moins un redoutable buteur, un des rares joueurs en exercice ou non à avoir inscrit plus de 100 buts en championnat de France. Habitué au coup d'éclat en Coupe de France, le Sporting va devenir sous la houlette de Pierre Cahuzac une redoutable machine de championnat au cours de la saison 76-77. Djazik, Félix, Zimaco et Papi composent alors la première attaque de France, celle qui inscrira 82 buts en championnat et qui permettra au Sporting de disputer la Coupe de l'UEFA. L'année suivante, l'Europe entière sera émerveillée par Claude Papi, alors au sommet de son art. C'est certainement le numéro 10, le meilleur de France, après Platini, et juste devant Grimaud. C'est-à-dire vraiment un homme indispensable dans l'entrejeu, la plaque tournante de l'équipe bastiaise. Est-ce qu'on peut considérer que cette année, il a donné tout à fait la pleine mesure de son talent? Ah oui, depuis 2 ans, on peut dire que c'est lui qui est le régulateur, le pourvoyeur de balles et en même temps un finisseur. En bref, Claude Papi est le symbole vivant du Bastia européen que nous connaissons.
Des buts comme celui-ci, marqué contre Torino à l'occasion du match aller à Furiani, et Claude Pape en réussira à 6 autres pendant cette Coupe d'Europe. Et le SCB, que l'on disait affaibli par les départs de Djazik et Zimaco, partira à la conquête de l'Europe en s'appuyant sur son extraordinaire milieu de terrain. La Cuesta, Larios et Pape, dans l'entrejeu, il n'y avait pas mieux dans le championnat de France. C'est un jeu un peu bizarre, disons. Il y a des bonnes périodes et des mauvaises. Je crois que Bassac, en ce moment, est une bonne période. Idole de tous les sportifs corses, Claude Pape était néanmoins resté un homme d'une modestie et d'une simplicité rare. Préférant la vie de famille aux sorties nocturnes, il adorait la chasse et ne manquait jamais une occasion de se rendre à Portivit où il avait laissé sa famille. Pratiquant le tennis dans les dernières années de sa vie, il manque à son palmarès la Coupe de France que le Sporting a remportée en 1981 devant l'AS Saint-Étienne. Blessé en cours de saison, Claude Pape y avait dû céder sa place au jeune Joël Henry. L'année suivante, alors qu'il revenait à son meilleur niveau, une nouvelle blessure survenue contre Paris Saint-Germain mettait un terme à sa carrière. Claude Pape, qui avait préparé sa reconversion, pouvait donc se consacrer entièrement à sa famille. Mais il n'avait pas pour autant oublié ses amis du Sporting. J'aime bien, disons, mais c'est loin de valoir, je crois, les villages du sud. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ça m'étonnerait. c'est pas du tout le même style. Non, enfin, je reconnais quelqu'un chez nous. Non. C'est un peu plus beau que... Oui, mais c'est mes casoles, tu vois chez nous. Deux ans après, deux ans, c'est pratiquement rien. On n'a pas oublié. Du moment que tous les matins, on se retrouve dans ce stade, on a toujours une pensée pour Claude. Personnellement, j'ai débuté ma carrière après Claude. Je crois qu'il nous a quand même marqué dans notre carrière de footballeur. Et je pense que pour le football corse et le football français, je crois que c'est quand même quelqu'un qui a marqué son temps. Et même maintenant, je n'ai pas l'impression que Claude Pape est mort. Je crois que pour nous, Claude Pape reste Claude Pape et il sera toujours dans nos mémoires. C'est vrai. Souvent, on se demande comment ça se fait qu'il n'est plus là. J'ai toujours son image dans la tête, mais... Je n'ai pas spécialement les souvenirs. Il y en a tellement que, je vous le dis, j'ai fait ma carrière pratiquement avec lui. Claude, c'était une image inoubliable, c'est tout. Moi, personnellement, c'est pareil. Je crois que moi, la plus grande partie de ma carrière, je l'ai effectuée à Bastia, disons, mes débuts. Je crois que si je suis quand même parti jouer à Saint-Étienne et tout ça, c'est parce que quand même dans l'équipe de Bastia, il y avait quand même un certain Claude Pape. Et pour moi, Claude Pape est quand même resté un des plus grands numéros 10 que la France ait connu. E mi ferma idea di omaru.
la mattina. Mi ferma idea come un ricordo santo che cerca il muso canto in una tomba smarrita. E mi ferma idea un vento che si intesta a spugliare la foresta all'autunno finito.